un autre pas, et ton mentor périra. Tu ne sortiras jamais d'ici en vie, traître. Non, tu fais erreur. Je ne suis pas un traître. Car on ne saurait trahir ceux qu'on n'a jamais aimés. En cela, tu es pire qu'un traître, car tu as vécu un mensonge. Alors tu appelles ton chien de garde à la rescousse? Tu me déçois. Pourquoi ne pas partager ce que tu as appris comme un assassin digne de ce nom? Pourquoi ne pas partager ta véritable ambition avec tes frères? Où donc est ton sens de la fraternité? Un autre de tes frères meurt, et pourtant tu restes muet. Je suis étonné. Tu m'as appris tant de choses, Al-Mualim, mais la patience n'en faisait pas partie. Parle maintenant, ou je te couperai la langue, et tu te tairas à jamais. Les heures sont comptées, vieil homme. Dis-moi ce que tu sais sur la relique. Dis-moi où tu la cherches. C'est un faible prix à payer pour conserver tout ce que tu as construit ici, non? Confiance aux hommes, Altaïr. Les Templiers prêchent la vérité. Les humains sont faibles, vils et bas. Non. Notre credo est la preuve du contraire. Peut-être ne suis-je pas assez sage pour le comprendre. Mais il se pourrait plutôt que je le sois trop pour croire à ces inepties. Lui a donné l'opportunité de racheter son honneur. Pourquoi? Personne ne devrait quitter ce monde sans connaître la bonté de son prochain. Mais il a rejeté ta clémence. C'était son droit. Altaïr, je t'ai vu devenir un homme en si peu de temps que cela me remplit à la fois de chagrin et de fierté. Tu suis les traces de ton père comme si c'était lui qui te guidait. Je ne m'en souviens pas comme d'un père. C'était un assassin, avant tout. Tu es né toi aussi au sein de cet ordre. Le regrettes-tu? Comment regretter la seule vie que je connaisse? Il se pourrait que cela t'arrive un jour. Et toi seul pourras choisir la voie qui te correspondra. Viens, mon garçon, et aiguise ta lame. Cette bataille est loin d'être gagnée.